a priori doctrinaux même au niveau de, du langage, c'est-à-dire la, la langue arabe. Il va dire bayan, nahou, sarf, etc. Donc on a besoin de. Ça a été formalisé, bien sûr, par les savants. Et cette formalisation a l'avantage de la complexité, mais parfois, une fois ossifiée, empêche la réforme. Et on est passé de l'ishtihad à taqlid, c'est-à-dire qu'il y avait un moment fertile de production des doctrines, puis il y avait tellement de surproduction théologique normative que les musulmans ont décidé d'arrêter cette surproduction, une inflation hermeneutique qui a causé un trouble au niveau de la foi. Les gens, pour une seule question, ils ont 50 000 réponses. Donc la vérité, il y a vraiment on a l'impression d'être devant plusieurs religions en même temps. Donc, il y a attention. Pour préserver la foi, il faut réduire le nombre des amis, sinon il y aura une implosion du système islamique de l'intérieur. Donc là, stopper l'ishtihad, à un moment donné, on a formalisé le savoir une fois pour toutes. Voilà, on peut suffire de consulter le hanafisme, le chafisme, pour avoir une réponse. À cette époque-là, il y avait plus d'offres théologiques, normatives que de demandes. Sauf qu'aujourd'hui, le monde a changé. Il faut sortir de, ce, de cette ossification de la formalisation du savoir du droit et théologique pour les décongeler et les mettre à la coupe de notre réalité. Et à un moment donné, ce taqlid a stoppé la pensée, même au niveau scientifique, dans les sens exacts. À un moment donné, cette activité intellectuelle s'est interrompue pour des raisons endogène, mais également pour des raisons exogènes. Il y a les croisades, l'invasion mongole, la reconquête d'Espagne, qui est à l'origine de la destruction des millions de volumes dans, tout, dans, tous les, dans toutes les disciplines. Vous savez, les invasions, c'est comme ça, on détruit tout. Et donc, ça a coupé les musulmans. Une rupture littéraire qui a conduit à une rupture épistémologique par rapport à l'héritage très fertile. Les bibliothèques ont été les Mongols, ils construisaient des ponts pour traverser les frappes par des livres. Ils ont transformé les livres en briques pour pouvoir traverser sur leurs chevaux. Et voilà, c'est quand même une destruction massive d'un héritage culturel qui a coupé les musulmans de cette lancée qui a été amorcée. Au Moyen-Âge. Et puis, le colonialisme séculier qui a acheté complètement cette civilisation. Cette civilisation, pour des raisons endogènes et pour quand le corps d'une civilisation s'affaiblit, devient proie des attaques, eh bien, tout ceci a contribué à l'effondrement de cette civilisation. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que bon, c'est la macro-histoire. Je suis caricaturé, je simplifie beaucoup pour dire voilà. Depuis déjà le 14e siècle, il y avait déjà une amorce de ce déclin, pour ne pas dire de cet effondrement d'une civilisation qui a été à l'origine portée par une religion. Cet effondrement de cette civilisation, avec le colonialisme du 19e siècle, avec l'effondrement du califat ottoman, le monde musulman s'est vu démembré en international. Donc, la Oumma spirituelle, la Oumma qui confondait les deux répertoires, Oumma spirituelle et Oumma politique, est devenue fragmentée en États-nations. Donc, l'allégeance à la Oumma spirituelle se fait par le biais des États-nations. Donc, on est entré dans une configuration qui n'était pas prévue par la théologie classique, théologie politique classique, et par le droit canon. Parce que le droit est devenu étatique, alors que le droit était sociétal dans l'Empire. Donc, comment réussir la sécularisation aujourd'hui? Le monde musulman a subi une sécularisation sauvage, c'est-à-dire une sécularisation qui n'est pas partie de l'histoire propre de l'islam et n'a pas pu entrer dans l'histoire occidentale d'autre part. Donc, là, c'est un déséquilibre identitaire qui fait que les musulmans aujourd'hui, au point de vue civilisationnel, ils sont dans un trouble identitaire avec une nostalgie d'une civilisation abrogée par l'histoire. Et dont on n'arrive pas à en faire le deuil. Je dis
futur, on a l'impression que nous conduisons une voiture avec un rétro plus grand que le pare-brise. Donc on avance, mais c'est ça le salafisme. C'est comme la France d'aujourd'hui, il n'arrive pas à faire le deuil de son passé, il n'est plus son vivant, c'est fini le 18e siècle, 19e siècle, ce que j'appelle le salafisme universel. Tout le monde aujourd'hui, il s'accroche à psalmodier les valeurs passées. Ah oui, il s'agit du passé, il faut faire la douce, c'est-à-dire la philosophie du progrès qui promettait le symptomologie laïque, le bonheur ici maintenant. Aujourd'hui, il n'est pas promesse de bonheur, mais plutôt d'inquiétude, d'incertitude et d'inquiétude, d'où le principe de précaution pour arrêter l'évolution technologique, parce que ça devient angoissant. Donc, cette accélération de l'histoire est le produit de la crise passée au partout. Les valeurs de la République, la laïcité, l'islam, tout le monde est crispé. Parce qu'on est dans un tournant incertain. On ne sait pas l'avenir. On est sorti d'une histoire linéaire à une histoire turbulente, d'une certaine manière, où dedans, c'est pas comment il sera, vu l'évolution technologique exponentielle qui perturbe notre rapport au réel. Donc, cet effondrement de la civilisation musulmane, ça a impacté négativement sur l'interprétation des textes, qui se fait sans médiation du tiers, pour reprendre le vocabulaire de Hegel. Ce qui menace aujourd'hui les systèmes religieux et politiques, c'est la disparition du tiers, c'est-à-dire le retour à la religion sans la médiation savante, et l'état d'urgence en liquidant le droit, pour le droit positif. La suspension, le radicalisme intégrisme, qui est le chaos et le désordre, eh bien, il porte préjudice à la religion, d'une part, mais il porte préjudice également au droit, parce que le terrorisme risque de le pousser à trahir les valeurs de la démocratie, l'état de droit, etc. C'est l'exception qui va devenir désormais la règle. Ça, c'est le risque. Ça, c'est le risque, comme disait Hegel, la disparition du tiers, c'est-à-dire le droit. Et donc, il y a une contamination. Le radicalisme dans sa forme brutale, qui est une c'est même pas une intention. Le terrorisme n'a pas de doctrine. On n'est pas au Moyen-Âge ou bien la médiation doctrinale. D'ailleurs, Daesh, il se revendique, il veut reproduire le califat abbasside. C'est un retour à l'histoire, ce n'est pas véritablement un retour à la théologie politique. Les cibles, la couleur noire, etc. C'est véritablement. Mais en même temps, il veut appliquer le droit canonique, parce que Daesh, la violence, en vérité, sa génétique, d'une certaine manière, se trouve dans le droit canon. Parce que c'est un droit qui a été concepté dans une logique impériale de domination. La conquête, à un moment donné, on a confondu la logique de l'histoire avec la théologie. Et là, il a fallu attendre peut-être le Ténia pour considérer que le jihad doit être uniquement diffusif. Il n'a pas eu l'essor qu'on lui connaît. Le droit maléfique, chef-élite, ramélite, etc., c'est la conquête. Pas pour imposer la religion. C'est-à-dire que l'autre, le blanc musulman, a deux choix. Se convertir ou bien vivre en minorité sans religion. Parce qu'on est dans la logique de la civilisation. On n'impose pas la religion, mais on impose la politique. Parce que quand on agresse pas, on est agressé. La règle au Moyen-Âge, c'était la guerre. D'une certaine manière. Et la paix, c'est une phase entre deux guerres. Et donc, dans cette épicémie, pour reprendre un vocabulaire de Foucault, où le droit canon, le jihad, etc., a été concepté. Maintenant, cette violence ne part pas de rien. Ce terrorisme ne part pas de rien. Sachant que le terrorisme, tel qu'il est appliqué aujourd'hui, est une conception moindazine et radicite. Le soumisme ne conçoit la violence légitime que lorsqu'il est sur l'autorité de l'État qui a un territoire. Voilà, ce que Max Weber appelle la violence légitime. Le soumisme, le chiisme, ne considère la violence que s'il est sous l'autorité du chef politique. Parce qu'il est capable d'arrêter la guerre. Mais le terrorisme, les groupuscules, les individus et les groupes n'ont pas le droit d'user de la violence.
ni au niveau du code pénal,